Alors, dans la vidéo précédente, si tu te souviens bien, eh bien, on a mis une boucle de courant comme celle-ci, qui est parcourue donc dans ce sens là, donc dans le sens de la petite flèche ici, dans un champ magnétique B qui lui allait de la droite vers la gauche. Et comme ça, en fait, on a montré que si on partait de cette position-là initialement, eh bien, la partie ici à gauche avait tendance à s'en aller, donc à aller à l'arrière de l'écran, alors que la partie ici à droite avait tendance à aller vers moi, donc à sortir de l'écran. Et que du coup, finalement, eh bien, on avait créé des forces qui étaient finalement un couple, et donc qui allaient générer un mouvement de rotation autour de l'axe dessiné en jaune ici comme ça. Et on avait aussi dit que donc on pouvait définir le bras de levier comme étant cette distance-là pour le côté vert ou cette distance-là pour le côté orange. Et on avait dit que dans le cas du début comme ça, eh bien c'était le couple maximal, puisque le produit vectoriel du bras de levier vectoriel, la force, est maximal puisque ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Ensuite, on avait dit que si on partait un moment un peu plus loin, donc on dit que d'accord, cette boucle a commencé à tourner dans le champ magnétique, eh bien on avait montré que les forces dues au champ magnétique qui s'appliquaient sur nos deux côtés d'intérêt sont toujours les mêmes, mais que comme l'objet a tourné, eh bien finalement la direction du bras de levier a changé et fait que finalement les deux vecteurs bras de levier et force ne sont plus perpendiculaires, ce qui donnera finalement un couple inférieur à celui du départ, donc une vitesse un peu plus faible. Et ensuite, on en était arrivé à cette situation-là, où finalement la boucle a tellement tourné qu'elle se retrouve complètement de profil. Et donc on avait dit que si par exemple je m'occupais du côté orange qui est celui qui est directement face à moi, eh bien la force F2 sera toujours la même, c'est-à-dire dirigée vers moi, et le bras de levier lui aussi est dirigé vers moi. Donc finalement ces deux forces, ces deux vecteurs sont collinéaires et vont avoir un produit vectoriel qui sera nul. Donc ici, à partir de cette position 4 là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il n'y a plus d'influence de ces forces qui s'appliquent sur la boucle. Donc cette boucle, eh bien, elle devrait s'arrêter en fait. Sauf que tu vois, donc si je fais un tout petit peu de place pour qu'on y voit un peu plus clair, en fait, elle va pas s'arrêter parce qu'il se trouve que tu vois, quand elle est en mouvement, il se trouve qu'elle a acquise de l'inertie et du coup, il va lui rester un moment cinétique qui va lui permettre finalement de tourner encore un tout petit peu plus loin. Tu vois, donc on peut faire une cinquième configuration, donc que je peux dessiner ici par exemple, où finalement, eh bien, la boucle, elle a tourné un tout petit peu plus de ce qu'elle était ici, mais dans le sens dans lequel elle allait. Donc c'est-à-dire elle serait comme ça si je la dessine. Comme ça, comme ça. Hop. Et par contre, tu vois le côté ici, eh bien ce serait le côté orange. Donc en fait, le côté orange, il a changé de côté par rapport à l'axe de rotation. Il est passé de l'autre côté. Et le côté vert, il est ici. Hop. Et alors là, ben, on se demande encore, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces fameuses forces dues au champ magnétique? Parce que le champ magnétique, il est toujours présent. Eh bien, on peut refaire la règle de la main droite rapidement. Donc, je la dessine pas, tu l'as fait avec moi. Eh bien, le sens du courant n'a pas changé. Donc, il rentre cette fois-ci par là. Comme ça et comme ça. Donc, on voit que le vecteur L2 sera comme ça. Donc, on met notre pouce sur L2. On tend notre index selon B et on tend le majeur. Et donc on voit qu'on se retrouve exactement dans cette situation-là encore et que du coup on trouve que finalement eh bien la force F2 elle est toujours la même. Et de la même façon, on peut réitérer sur F1 et on trouvera que F1 il va toujours comme ça. Sauf que là, si on se pose un petit peu, bien qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ces forces-là pour un objet dans cette configuration-là? Eh bien, si tu regardes, ça veut dire que la partie qui est déjà face à moi, elle essaye d'être encore plus face à moi. Donc en fait, elle va avoir tendance à aller vers l'avant. Donc à aller vers l'avant comme ça. Alors que la partie en vert qui était déjà à l'arrière va avoir tendance à aller vers l'arrière. Et donc finalement, eh bien, ça veut dire que une fois qu'on est arrivé dans cette configuration-là, eh bien l'objet va aller dans l'autre sens. Il aura envie de tourner dans l'autre sens. Donc si je dessine, ça veut dire qu'en fait, il va avoir envie de tourner comme ça. Donc vraiment dans l'autre sens comparé à celui de tout à l'heure. Donc tu vois là, c'est plutôt rigolo parce qu'on montre que finalement, eh bien, on ne peut pas entretenir le mouvement de rotation avec un système comme ça.
puisque la rotation va être possible en gros pour jusqu'à un angle de 90 degrés. Et une fois que tu auras tourné 90 degrés, eh bien tu te trouveras forcément dans une configuration où si tu continues le mouvement parce que par exemple la boucle a acquise de l'inertie ou des choses comme ça, eh bien elle va vouloir retourner dans l'autre sens. Donc si on veut faire un moteur électrique comme ça, c'est pas gagné. Donc tu vois là, les solutions qui s'offrent à nous, il y en a plusieurs. Alors si on se dit d'accord, nous on veut faire un moteur, donc l'idée, tu vois, c'est d'alimenter quelque chose qui génère un mouvement, mais voilà, tant qu'on l'alimente, le mouvement il continue. Et donc la rotation, elle est dans le même sens. Donc d'après ce que je viens de dire ici, la première chose à laquelle on pense, c'est d'inverser le sens du courant. Effectivement, à chaque fois que tu passes au-delà de 90 degrés, hop, tu switches le sens du courant, et tu vois que si ici le courant était dans l'autre sens, eh bien on retrouverait exactement la configuration du début. Donc le mouvement serait entretenu. Sauf que tu vois, c'est pas évident à faire parce que ça veut dire qu'il faut calibrer parfaitement la vitesse angulaire et à chaque fois avoir quelque chose qui t'inverse le sens du courant. Donc c'est pas hyper facile. Alors la deuxième chose à laquelle on peut penser, c'est d'inverser le sens de B. Parce que là encore, si tu gardes le même sens du courant, mais que tu places dans un champ magnétique qui lui est alternatif et qui part de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, et ainsi de suite, toujours pareil, en calibrant bien par rapport à la vitesse de rotation pour que ce switch arrive au bon moment, eh bien là aussi ça peut marcher. Mais encore une fois, tu vois que c'est pas très efficace et c'est plutôt compliqué quand même. Et d'ailleurs, il reste encore un des problèmes finalement à tout ça, c'est que si même on imaginait faire ça avec un champ magnétique alternatif ou avec un changement de courant, eh bien tu vois que finalement tes fils, ils s'emmêleraient, les fils qui alimentent l'objet. Et du coup, ils s'emmêleraient, et puis à un moment, bah, tu n'aurais plus assez de fils, enfin ça casserait, tu vois qu'en tout cas, enfin c'est pas possible comme ça. Et donc en fait, les gens ont inventé une solution à ce problème, enfin, ils ont trouvé une solution à ce problème, et cette solution, eh bien, ça s'appelle le collecteur rotatif. Alors on va voir tout de suite un peu ce que c'est en détail. Alors dans notre cas, un collecteur rotatif, eh bien, ça va s'utiliser comme ça. Donc en fait, je vais reprendre tout d'abord mon schéma initial, comme ça, donc ma boucle de courant. Et en fait, ici, il va y avoir des petites électrodes, d'une certaine façon, on peut appeler ça comme ça, qui vont le relier au collecteur rotatif. Et donc mon collecteur rotatif, il ressemble à ça. Hop. Comme ça. Et là, eh bien, il y a un générateur. Donc ici, j'ai plus, ici, j'ai moins. Donc si je dessine le sens de mon courant, eh bien, il va aller comme ça, comme ça. Et comme ça, d'après les branches ici. Et comme ici, ces électrodes font contact, eh bien, en fait, le courant, il va descendre dans ma boucle comme ça. Et donc, je vois que maintenant, le bas de mon dessin est exactement analogue à celui que j'avais dessiné en haut. Donc, sans trop se fatiguer, on peut dire que ici, eh bien, sur cette partie-là, la force électromagnétique, la force due au champ magnétique, pardon, était comme ça, alors que sur le côté droit, la force due au champ magnétique était comme ça. D'ailleurs, oui, j'ai oublié, mais le champ magnétique est toujours présent comme ça. Donc, finalement, si maintenant on imagine, par exemple, que cet objet, il y a un petit support, en fait, là, un petit support, et il est posé, je sais pas, par terre, hop. Et qui le tient, tu vois, avec ce support, il est pile aligné à l'axe de rotation, comme ça, à l'axe de symétrie de l'objet. Donc, ce qu'on sait, c'est que cet objet va se mettre à tourner, hop, comme ça. Il va tourner dans ce sens-là. Donc, ce que je dessine en gras, c'est ce qui est au-dessus de ma feuille. Donc, il tourne dans ce sens-là. Donc, comme il tourne, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un moment où il va avoir tourné de 90 degrés. Donc, je refais un dessin. Donc je commence par le collecteur rotatif, comme ça, plus moins l'électrode, hop, l'électrode, et finalement à 90 degrés, eh ben ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre contact. Il n'y aura plus de contact électrique, tu vois, je vais être comme ça avec mon électrode ici, et en fait ça va être tout droit comme ça. On va pas trop voir d'ailleurs, tu vois, les différences de profondeur, enfin on voit juste quelque chose de profil de cette façon-là, avec toujours notre support comme ça, qui est posé par terre. Donc tu vois que finalement là, eh bien comme il n'y a plus contact électrique, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant dans ma boucle, et ça veut dire qu'il n'y a plus de force due au champ magnétique, puisque sans courant, cette force n'existe pas, et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de couple.
Donc ça veut dire finalement que cet objet, là, il n'y a plus rien qui maintient le mouvement. Sauf que comme on a dit tout à l'heure, il va se passer la même chose. Cet objet, il a pu acquérir de l'inertie, et donc son moment, il a toujours un moment cinétique qui va faire perdurer le mouvement dans le même sens. Donc il va faire perdurer son mouvement dans ce sens-là. Mais ce moment cinétique, il va pas suffire à entretenir l'ensemble du mouvement. Il va juste servir à aller au-delà de 90 degrés. Et donc après, eh bien, ce qui va se passer, alors d'ailleurs là, on va voir ça dans la prochaine vidéo parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps dans celle-ci. Donc la suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite.